Bienvenue sur apprendre-la-batterie.com. Aujourd'hui, un cours de système d'indépendance ternaire, jazz. Donc ternaire, jazz, aujourd'hui, tous les temps vont être décomposés en trois croches, en triolet. C'est quelque chose à prendre en compte pour pouvoir lire la page de solfège qui, elle, est binaire, la page de solfège du cours précédent sur les systèmes binaires. Ce travail-là est très récurrent dans la systématisation, dans beaucoup de méthodes, vous trouverez ça, c'est-à-dire qu'on lit des pages de rythme binaire, mais on les interprète en ternaire. Pour ça, toutes les croches qui tombent sur les contretemps des pages de solfège rythmique binaire, toutes les croches qui tombent donc sur les et, sont pensées sur la troisième croche du triolet. Je prends ma page de solfège rythmique, je prends la mesure 2 pour vous donner l'exemple. Donc la mesure 2 en lecture réelle telle qu'elle est écrite. 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3 et 4. Si je suis dans un contexte ternaire et que je dois l'interpréter en ternaire, je vous le fais maintenant, les et vont tomber sur les troisièmes croches des triolets. Donc déjà le décompte et le tempo n'est pas pensé pareil, on va le penser 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. À titre d'exemple, la quatrième mesure où il n'y a que des croches sur les contretemps. 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Ok? La contrainte swing que nous allons avoir aujourd'hui, le pattern jazz, il fait ça. 1, 2, 3, 4. On a donc le charlet sur 2 et 4. Et la cymbale qui fait une figure rythmique qui pourrait s'écrire noir, deux croches, noir, deux croches. Et vous la verrez très souvent écrite comme ça. Cette histoire de croches binaires interprétées ternaires n'est pas une lubie de ma part. Vous prenez par exemple un livre qui s'appelle Le Readbook où il y a tous les thèmes de jazz, ils sont écrits comme ça. Donc, et on pense tout ce qui est demi-soupir croche, swingé, ce qu'on appelle swingé, sur la troisième croche du temps. Pour en revenir à ma pattern jazz. Sous-entendu. 3, 4, 2, 3. Donc sur le deuxième et le quatrième temps, j'ai une croche ternaire qui tombe sur la troisième croche du triolet et qui donne ces deux coups rapprochés. Donc, j'explique vraiment ça pour les gens qui ne connaissent pas. Une fois que ça s'est assimilé, on va travailler cette indépendance-là avec cette page de solfège rythmique binaire. Premièrement, on va prendre cette pattern et on va lire à la main gauche la page. Je vous fais la première ligne à titre d'exemple. 1, 2, 3, 4. Je vous fais la première ligne à titre d'exemple, comme il faut. 1, 2, 3, 4. Ok? Vous pouvez travailler pour assimiler tout ça. Peut-être d'abord, par exemple, la première mesure, on peut faire par exemple 4 fois chaque mesure et passer à la suivante. 1, je pars à la deuxième ligne. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
fois que vous avez assimilé, vous pouvez travailler. Alors là, j'ai fait mesure par mesure 4 fois. Vous pouvez faire toutes les deux mesures, grouper 4 fois, toutes les lignes après, une fois que ça rentre. Et le but ultime, c'est de descendre la page. Donc maintenant, on va lire cette page une fois que tout le reste est assimilé, petit bout par petit bout, que vous sentez que vous pouvez avancer sur la page. On va la lire entièrement. Je vais rajouter moi la grosse caisse sur les temps pour avoir un exercice un peu plus réel et aussi pour travailler ma grosse caisse. Donc ma grosse caisse va faire tous les temps. C'est quelque chose qui se faisait à l'époque. Hein. C'était pour soutenir la contrebasse, qui était un instrument qui était vraiment pas qui est pas puissant au niveau volume. Donc la grosse caisse, elle n'est pas non plus très très tapée. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est suggéré quoi. Dessous. Et je vais lire la page à la main gauche. Je vais faire ça avec un clic. J'en parle souvent du clic. Et là, on a l'occasion. Je suis au studio. On a l'occasion de pouvoir. J'ai l'occasion pour vous montrer comment je travaille ça. Donc là, j'ai mis ça à 114 à la noire. C'est un tempo middle, cool, voilà, pour que vous puissiez comprendre et lire et suivre en même temps. Lecture main gauche. 1, 2, 1, 2, 3. Cet exercice-là, donc là j'ai rajouté la grosse caisse, vous pouvez faire ça au début, moi je le fais pour moi, pour donner un côté plus réel à l'exercice, et parce que ça me fait aussi travailler ma grosse caisse pas fort, parce que j'en ai besoin. Et puis, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va faire l'inverse, on va lire avec la grosse caisse. Je vous fais par exemple la première ligne à titre d'exemple. 1, 2, 1, 2, 3. Ok, donc la lecture est passée de la main gauche à la main droite et ça nous fait travailler le pied droit et l'indépendance entre la main droite, le pied gauche et cette fameuse ce fameux membre, le pied droit, qui fait complètement autre chose. Je vous fais la page. Alors, la page peut s'interpréter comme je viens de le faire, c'est-à-dire en ne jouant rien à la main gauche, en gros. C'est-à-dire qu'on est là. Marquer le 2 et le 4 en acrostique, d'accord, pour suivre, qui suit le charlet. 1, 2, 1, 2, 3.
Ok. Donc là, j'ai rajouté la main gauche sur D4. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez la garder posée sur la caisse claire pour garder un équilibre et lire uniquement à la grosse caisse. Le système d'après, lecture grosse caisse comme on vient de le faire, mais remplissage à la main gauche en croche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que une mesure vide, par exemple, si je la remplis en croche à la main gauche, ça va faire ça. 4, 1, 2, 3, 4. Il y en a une derrière, pardon. Sous-entendu, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 3, 1. Ok? Dans le système qui nous intéresse, à chaque fois qu'il y a une note décrite, on la joue avec le pied droit, puisqu'on lit à la grosse caisse, et on remplit tout le reste à la main gauche en croche. Les deux premières mesures, par exemple. 3, 4. Avec la cymbale et le charlet, 1, 2, 3, 4. Les deux mesures qui suivent, car là vous avez un exemple qui parle énormément, vous avez la troisième mesure, tous les temps sont joués, quatrième mesure, toutes les croches en l'air sont jouées. 1, 2, 3, 4. Je rappelle que je suis en lecture grosse caisse. Tout ce qui est écrit sur la partition, je le joue à la grosse caisse et je remplis à la main gauche en croche. Je vous fais la page. Donc ça, c'est le but final, c'est d'arriver à enchaîner la page. Au départ, vous pouvez travailler mesure par mesure, tourner dessus, les grouper par deux, tourner dessus, par ligne et tourner dessus. Je vous fais la page. 1, 2, et 1. Donc au début, j'ai accroché, j'ai mis une grosse clé sur le deuxième temps. Enfin, c'était pas ça sur la première mesure, hein, si vous avez un doute. C'est moi qui fais l'erreur. Une fois qu'on a fait ça, on inverse, on lit à la caisse claire et on remplit en croche au pied gauche. Donc tout ce qui est écrit, c'est main gauche. Et tout ce qui n'est pas écrit, toutes les croches qui ne sont pas écrites, on remplit au pied droit. 1, 2, 1, 2, 3. Thank you.
Ok, voilà. Alors, vous pouvez au début, bien entendu, travailler mesure par mesure, les grouper, ligne par ligne, que ce soit pour le premier système, pour le deuxième, je vous conseille même de le faire. Ce sont des systèmes qui vont développer votre indépendance. Pensez que c'est dans un contexte jazz, que c'est pas du tout appuyé au niveau du son et du geste. S'il y a quelque chose qui doit être vraiment solide et appuyé, au maximum, c'est la cymbal ride et le 2 et le 4. Ça doit être droit, ça doit swinguer, être solide, mais le reste, c'est vraiment suggéré, ça accompagne. Travaillez-le comme ça, il sera toujours à temps d'appuyer les choses, ça sera très facile. Beaucoup plus facile du moins, très facile. Hein, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Laissez-moi un commentaire si vous comprenez pas quelque chose en dessous. Inscrivez-vous à la liste à gauche pour être au courant de l'apparition des nouveaux cours. Et puis, merci et à plus tard.